Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play Theme Hospital. Alors j'ai réussi à régler mon problème. J'ai plus de bugs. Alors là je crois que lui va avoir besoin d'un chirurgien. Et je cherchais aussi mon scientifique. Alors je crois que les chirurgiens marchent par deux. Voilà. Et donc j'ai décidé de mettre deux chercheurs. Il faut que je les trouve. Alors là j'ai mon VIP, j'espère que tout va tourner comme il faut pendant sa présence. Donc ça c'est un chirurgien, mais normalement j'en ai déjà deux, non? Oui j'en ai deux, ils se préparent. Ils sont changés. Donc il y a celui-là. Désolé. C'était pas prévu, je suis désolé. Je cherche toujours mon chercheur là. Je l'ai pas trouvé. J'ai pas 36 chirurgiens. Ah, il est là. Merde, il bosse comme un malade. Franchement, je suis bien en bénéfice. Je fais des bénéfices là. Je pourrais en trouver un autre. Mais j'en ai pas dans la liste. Merde, faudrait que je libère. Alors, déjà, première opération. Je peux réaccélérer la vitesse. J'avais diminué parce que le jeu buguait, j'arrivais plus à bouger. Donc ça c'est ma première opération. On va voir, je crois que ça rapporte. Hein. Honnêtement... 1100. Plutôt pas mal. Alors par contre, comment ça va avec la queue là. Ça m'énerve parce que j'aimerais bien que sa place soit libérée à celui-là. Pourquoi il bosse pas, hein, sérieux? Bon, allez, je vais me mettre à faire de la recherche, j'en ai marre. Voilà, avec deux. Oh merde, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse et il y a un VIP là, donc s'il passe ici, adieu ma note. Ok, c'est bon. Faut que j'aille voir un petit peu partout. Non, ça a l'air d'être bon. Ok. Alors ce que je vais faire, j'ai dit que j'allais rajouter une salle. Merde, c'est trop petit. Sauf à laisser vraiment un tout petit passage. Ouais, bah tant pis, hein. Je laisse un tout petit passage. Alors là, c'est pareil. Ah, je peux pas le régler pareil. C'est pas grave. 39%, c'est pas assez. Une chance sur 3 pour qu'il meure, ce serait un risque. Alors, il me faudrait un autre chirurgien, si possible. Pas chirurgien par hasard? Si. Honnêtement, avec deux chercheurs là, je vais faire plein d'améliorations. Ouais. Alors, j'ai pas regardé les conditions de victoire. C'est pas là, pardon. Alors, la première. Avoir au moins 20 000 d'argent en banque. Ça va être rapide maintenant. Avoir soigné 60 patients, c'est pareil, ça va être rapide. Ah, pour ce qui est des diagnostics, j'ai fini. Donc on va pouvoir répartir un peu les points. Honnêtement, je vais augmenter ça d'abord. Ok, donc j'ai une nouvelle machine. X-ray. 64 c'est pas assez, hein. Je le renvoie à la maison. 43 c'est pas assez. Alors, X-ray, c'est parti. Ah non, c'est pas parti. C'est trop cher. C'est dommage.
Ah merde, chirurgien, vite avant que le VIP voit ça. Putain, c'est trop tard, je crois. Oh non, mais c'est quoi ce bande de glandeurs là? C'est un chirurgien, ça. Ah mais ça ne fait qu'un, ça, il m'en faut deux. Ils sont un peu crevés, je crois. Lui, il peut y aller. Ah, autant tout à l'heure il m'a dit que j'avais trop de docteurs. Tiens, un chercheur en plus, ça m'intéresse. Alors il me faut 8000 hein, pour le nouveau extrait. À la rigueur, je peux emprunter. Ouais, je vais emprunter. Honnêtement, ça vaut le coup, ça me permettra de moins passer à côté des diagnostics, de voir des gens partir de mon hôpital. Pourquoi il veut pas? Ah, parce que j'ai pas défini la taille de la pièce. Alors, ce que je vais faire avant, je vais définir ça. Oui, je vais lui donner son augmentation, je m'en fous un peu. La pièce est... Attend immediately in cardio, please. Doctor required in la pièce est trop grande. Ah bah il adore mon hôpital. Ah, une urgence. Deux personnes. C'est des drogues, donc oui, je peux le faire. Là, je vais acheter le dernier bâtiment. Doctor required in GP's office. Doctor, attending psychiatry, please. Alors malheureusement, c'est un... Staff announcement. Patients with the squits are on the way. Doctor required in GP's office. J'ai plus d'argent. Ils attendent pour où tous ces gens là? Ils attendent pour le GP hein. Faudrait qu'ils arrêtent de se la couler douce là. Bon, peut-être qu'ils se la coulent. Doctor required in GP's office. Ah mais j'ai trois chercheurs là-dedans alors qu'il y a deux bureaux. Mais ça va pas. C'est un trou là. Il y a plus besoin de personnes ici, mais c'est pas grave. Ok, bon, a priori j'ai résolu mon problème d'urgence là. 77. Non, je le renvoie à la maison. Je pense que en dessous de 80. Ouais, soit 80. Je sais pas honnêtement. 77, j'aurais peut-être dû dire oui, en fait. Je regrette un peu. 80, je dis oui. J'espère que je vais pas avoir mon premier nom. Hop. Bon, ce qui me dérange, c'est que... Non, c'est pas assez. Ce qui me dérange, c'est que j'ai sans arrêt des problèmes de docteur, alors qu'il me dit que j'en ai trop. Ah, celui-là, il est... C'est un senior, il est très fort. Je vais me l'acheter. Non, 71, c'est pas assez. Il me faut mon X-ray, là, ça m'énerve. Je vais emprunter. Parce que j'ai plein de patients qui s'en vont. Je vais pas me mettre ça comme ça, pardon. Plutôt comme ça, voilà. Je vais mettre ça ici. Ah, c'est trop petit. Doctor, attending psychiatry, please. Je vais la faire un peu plus grande. Ah, fais chier, tiens. Doctor. Je vais répondre à ça. Ça va être plus compliqué déjà. Cette personne atteinte de troubles de la personnalité, là. Je crois que c'est un psychiatre. Déjà. Ça va être beaucoup plus chaud avec un seul psychiatre. On va voir ce que ça va donner. Okay, ça
Ça, à mon avis, ça va être plus compliqué. Je suis pas sûr de réussir, très honnêtement. Il faut vraiment que je les traite dès le début qu'ils arrivent. Alors, je vais quand même mettre une machine pour les boissons. Alors, ce qu'il me faut, c'est un extincteur, je crois. Dans ce genre de pièce, je préfère mettre un extincteur. Voilà, ils vont tous être là, avec leur urgence là. Donc il me faut un psychiatre, absolument. Sinon je vais jamais y arriver. Déjà là, il y a déjà la moitié du temps d'écoulé. Autant dire que c'est un peu foutu, je crois. Surtout, je vois pas pourquoi là ils attendent. Il y avait pas assez de bancs juste à côté, du coup, c'est pas bon. Je vais en rajouter un. Oh merde, il s'en va. Il faut absolument que je diminue la vitesse là. Et que je me trouve un psychiatre capable de soigner ça. Lui par exemple. Il commence à y avoir beaucoup de gens qui attendent. Hein. En plus, il n'y avait pas assez de bancs. Et si on n'en soigne pas assez, je crois qu'il faut en soigner au moins 50% pour avoir un peu d'argent. Je suis pas sûr d'en avoir soigné 50%. Hein. Bon, il nous reste un peu de temps encore, là ça va aller vite, maintenant ils sont tous à peu près à côté de la porte. Ce que je pourrais faire, c'est ramener celui-là devant. Normalement on peut les bouger. Ah putain, je vais avoir plein de morts. J'en ai sauvé 4 sur 7, voilà ce qui se passe quand on n'a pas assez de psychiatres par exemple. Il m'en aurait fallu 2 salles de psychiatrie. C'est pas grave. C'est juste un petit contretemps. Je crois que je vais rajouter une salle de psychiatrie ici. Ouais, sauf que c'est un peu le bazar parce que j'ai pas de quoi caser une pièce ici. C'est trop chiant. Ah, je vais la mettre ici, tant pis. Je pourrais peut-être mettre des toilettes juste à côté. Je vais acheter la plante, la poubelle, la bouteille. Ok. Juste à côté, je vais acheter la drinking machine, le radiateur, la plante. Le radiateur, je sais pas trop où je vais le mettre pour l'instant. Alors lui, on va lui donner son alimentation. Bon bah voilà, au cas où... lui, il peut travailler un peu, là. J'ai un problème de chirurgien. Est-ce que j'en ai un disponible? Lui c'est un chirurgien donc il va bosser là. Ok, j'en ai 2. Parce que là il a commencé à avoir la queue. D'ailleurs je vais rajouter un banc. Je vais rajouter des bancs ici. Oh, pourquoi il s'en va lui? Ah, il s'en va, il est pas content. Alors, fin de l'année, malheureusement j'ai tué beaucoup de patients, donc question récompense, ça risque d'être... Ouais, j'en ai aucune. Ah si, j'en ai eu, sauf que je les ai pas regardés en fait, parce que là j'ai beaucoup d'argent. Alors, il me faut 20 000, je suis à 13 000. Honnêtement, je
Je crois que je gagne beaucoup d'argent maintenant. Ça devrait le faire. Alors pour ce qui est de la pinesse, ça va, les boissons, ça va, et le chauffage, c'est toujours ce qui pêche. Mais je crois que ça, ça a toujours été un peu le problème. Je sais pas comment faire, hein, parce que pourtant j'en ai partout, partout. Tiens, là je pourrais quand même en rajouter dans la pièce, c'est celle-là. Le problème étant aussi que les radiateurs coûtent cher. Ok, donc là c'est bien. Je pourrais en rajouter un dans la salle de chirurgien. J'ai 23 000 d'argent, comme je l'ai dit, je gagne beaucoup d'argent en ce moment. Donc en fait, c'est bientôt fini à mon avis. Donc ça, c'est une drogue. Donc les drogues, c'est pour ça que j'ai fait deux pharmacies, c'est pouvoir gérer les... pour pouvoir gérer les urgences. Bon là c'est quasiment gagné, je pense que j'ai atteint toutes les conditions de victoire. Donc la leçon c'est quand même qu'il va falloir commencer à prévoir tout en double. Deux pharmacies, deux psychologues. Je parle pas des GP hein, parce que j'en suis déjà à 1, 2, 3. Pour bien faire, il faudrait que j'en rajoute un là. Parce que j'ai une nouvelle salle de diagnostic. Donc à chaque fois, il faut qu'il repasse au GP. Donc je peux en rajouter un là. Ouais, le bureau est un peu loin, mais tant pis. Radiateur, plante. Non, ça sert à rien, il n'y a pas de machine. Alors la plante, je suis pas sûr de pouvoir la caser. Si, c'est bon, tout rentre. Quelques bancs, évidemment. Oh, bah, ça marche plutôt pas mal. L'urgence, à mon avis, ça va vite être réglé maintenant. Tout a l'air de plutôt bien marcher. J'ai l'impression que mes docteurs sont tous au repos là. Il y a un peu de l'abus. Lui, par exemple, je vois pas ce qu'il fout là. Il peut retourner bosser. Lui aussi, il est largement assez élevé. Je veux pas qu'il y ait des queues trop importantes qui se forment. Ce que je vais faire, je vais accélérer la vitesse. Ok, donc... Baisser un peu le niveau des annonces. Ok, c'est gagné. Donc quand même, première petite alerte avec cette urgence que j'ai pas pu gérer. Faute de psychologue. Donc je sais déjà que pour la prochaine mission, il me faudra au moins deux salles de psychologue. Il me faut deux pharmacies. Il me faudrait au moins deux GP dans chaque bâtiment. Parce que là, dans le deuxième bâtiment, c'était un peu juste quand même. Enfin, il va falloir commencer à s'organiser un peu mieux. Pour ce qui sera la quatrième mission déjà, c'est ça? Ouais. Alors, première chose, mettre le jeu slower. Et même, je dirais, pause. Puisqu'il est temps que j'arrête, 19h50. Ouais, comme je l'ai dit, je vais faire des épisodes peut-être un peu plus courts pour que le let's play dure une quinzaine de jours minimum. Ou un peu plus, mais en tout cas, qu'il s'arrête pas au bout de 10 jours, ce serait bien.
Donc je vous laisse, ce sera cette quatrième mission. On va commencer à voir les choses sérieuses. Je vois que l'hélicoptère atterrira juste à côté de l'entrée. Donc pour les urgences, c'est pratique. La distance sera beaucoup plus courte. Ça, c'est bien. Mais j'aurai sans doute beaucoup, beaucoup d'autres surprises en vue. Pour l'instant, je vous laisse et je vous donne rendez-vous demain matin ou ce soir, je ne sais plus du tout en fait, pour la suite de ce Let's Play.